Bon, mes dernières petites sessions sur le CEU, parce qu'après je serai dans le Lot-et-Garonne. Donc je profite encore. Ah, ça remue encore. Bon, je suis à la nymphe. Mais là, bien calme encore. Ouh là là. Un petit vent dans le mauvais sens, comme d'hab. Donc, ça me fait dévier. Allez, il faut attendre que les rafales se calment. Pas très fort, mais par petits coups comme ça, ça gêne. Ah, je me prends dans l'herbe. Je sais pas comment je me débrouille. Ouais. Je suis monté, je vais regarder ça un peu. Bon, en tout cas, il fait beau. J'ai déjà le plaisir d'être au bord de l'eau avec du soleil. Voilà. Et ça m'a l'air calme. Et puis, il y a plein de poissons là-dedans, hein. J'en veux pas. Ils sont là-bas dans le torrent. On peut pas y aller. Bon, on va voir. Compliqué, si les talus sont hauts, alors si j'attrape un poisson avec l'épuisette, ça va être compliqué. En plus de ça, j'ai un petit vent de côté, mais bon, c'est beau, c'est agréable. Ça va venir. Il y a les rivières qui sont pas faciles. Hein. Où je suis? Je regarde sur les côtés, devant, derrière. Si on branche. Une branche là-bas dans l'eau, là. Traîne. J'emmène vite. Un hopper, j'ai mis un hopper, je vois, parce que je le vois bien. C'est pas l'heure, hein. C'est tôt là. Je suis d'après-midi là, c'est trop tôt. Ça drague, ça drague. Hein. Petit soleil de côté, là, il me gêne. Je sens quelque chose. Hein. Bon. On est arrivé. Ya. Sur le bord. Une mouche. Allez. Bon, j'ai changé de spot. Je vais essayer là. Là-bas, il y avait des chiens. Puis bon, faut changer. Hein. Faut pas hésiter. Ouais, j'ai pêché à la cascade là. Et
de voir ce que ça donne. Allez, la pause, je viens d'arriver. C'est bon. Quand j'ai eu une petite touche, ça a tapé un peu. Je vais chercher là-bas, au bord. Voilà, je suis une traction. Regardez bien. Traction 11. J'ai connu ça, moi. Enfin, la pêche, c'est sympa. Hein. Session de pêche avec Jérôme, un ami à qui j'apprends à pêcher la mouche. Je suis content parce qu'il s'en sort très très bien. Oh, t'as pas besoin de sauter dans l'eau. Jérôme. Passe. Voilà, ton bras, pas ton poignet. On va le voir jeter un peu. Voilà. S'il écoute bien la cadence du métronome et l'âge de la soie, l'âge pour qu'elle parte. Un, deux, un. Tac, moi j'ai lâché. Parce que j'ai vu la branche là-bas, j'ai dit je vais aller me mettre dedans. Il n'y a pas de poisson. Hein. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Il y a des pêcheurs, mais il n'y a pas de poisson. C'est le plaisir de lancer. Hein. Ta canne verticale, midi, 10 heures, tu t'arrêtes et tu poses. Tu cherches, hey, tu cherches à jeter, je te vois aller en avant. Non, c'est ton bras qui fait la manœuvre, la locomotive. Que ton bras, pas ton poignet. C'est sûr que quand on sort de la pêche au leurre, c'est le leurre qui emmène la soie. Voilà. C'est bon, c'est bon signe. Ils s'en débrouillent bien. Ouais, quand on veut, on peut. Hein. Si tu penses aux paramètres que je t'ai indiqués, faire le métronome dans ta tête, et que c'est bien ton bras et non pas le poignet. Voilà, ton bras comme tout à l'heure, ton poignet tu plies, tu plies, tu vas trop bas avec ta soie. C'est ton poignet, Jérôme. Jérôme, bloque ton poignet droit. Jérôme, tu fais ça. Garde ton, garde, c'est que ton bras qui emmène, là. Regarde, il n'y a que le bras qui travaille. Et hop, tu poses.
Ah, c'est sympa. J'aime bien. Bon, je suis dans le Lot-et-Garonne. Je pêche en étang parce que c'est là qu'il y a eu un lâcher de truite. Alors, j'ai pas trop le choix, je connais pas. Je le découvre. J'ai essayé la rivière, j'ai été voir. Il faut que je cherche vraiment là où j'ai des accès. Au petit. C'est bien parti de cette heure. On a vu 22 mars. On est pile le 22. Attends, il y a un problème. Bon, j'ai quitté le petit étang parce qu'en fin de compte, c'est fermé aujourd'hui. Ils font de l'alunage, donc j'ai pas le droit à vendredi, samedi. Alors, je manque de pause, c'est aujourd'hui que je suis venu. Alors, je vais faire le. Ça s'appelle le Dro ici, la rivière. C'est une rivière également en première catégorie. Oh, ben, je vais peut-être pouvoir lancer par là. Ouais. Ça va falloir viser entre les branches. Alors, vraiment. C'est un hibou qui sort ou quoi? Oh, ça a l'air compliqué ici. Oh là 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 là. C'est compliqué comme tout. Hein. Mais bon. Attention de danger, bah oui. Hein. Bon, alors, si je vais, ouais, je peux envoyer derrière de toute façon. Je vais m'amuser un peu, hein. J'ai pas le choix, je sais pas trop s'il y a de la truite là-dedans. Hein. C'est bien trouble. Hein. Oh, il y a un escalier. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont été fous de ce pneu là? Il y a même un balcon là pour pêcher. Oh là là. Alors c'est du gobage déjà. Oh, je me fous dans les branches. Il a fallu être de l'autre côté. Oh, c'est compliqué quand on connaît pas comme ça. Oh là, je suis à la Dordogne le prochain coup. C'est pas très loin. Yeah. Ça y est, j'ai trouvé un spot. Là au moins il y a du courant. Il y a une veine d'eau avec les bulles, là, ça c'est bon. Bordure, croisement ici, là. Je vais tenter le coup, là. J'ai eu du mal, hein. Bon, ouais, c'est sympa. Pour se poser, c'est bien. Pour un retraité comme moi, c'est bien. Allez, je finis ma cigarette, je suis en pause, casse-croûte, et on démarre. Bon, on met la soie dans les anneaux, on n'oublie pas un anneau, ça m'est déjà arrivé. C'est bien de faire en boucle comme ça, parce que si on lâche, si je lâche, c'est retenu par la boucle. Bon, c'est parti. C'est difficile de découvrir une nouvelle région hein, par rapport à où j'étais là, moi j'avais mes endroits par cœur. Mais bon, dans la vie il faut bouger. Hein. L'herbe est verte partout. Les rivières, tant qu'il y en a, c'est bon. C'est qu'il y a du poisson. Et ici, c'est une première catégorie. Directement, il y a de la truite d'après l'intelligence artificielle à qui j'ai demandé. C'est l'intelligente. Bon, on va commencer avec un sedge. On va mettre un sedge comme ça. Ouais, c'est un stack. Yeah.
Ouais. Je suis pas trop sûr. Hein. Bon, c'est le plaisir de pêcher. Hein. Chauffer la machine. Couler avec sa drague tout de suite. Courant est fort. J'ai mis un hopper. J'ai vu deux gobages, un ici, un là-bas. Donc je suis dans la bonne veine. Peut-être prendre plus petit que ça, peut-être. Je vais voir. L'eau est trouble. J'arrive à voir la mouche, mais elle est vraiment en fleur d'eau. Alors je vais mettre une mouche que je vois mieux que ça parce que je vais me fier qu'à la tape. Oh, ça drague vite. Enfin bon, si elle passe au-dessus de la truite, c'est bon. Elle gomme. Je mets un peu de pression.
c'est une mouche, hein. Qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qu'on a, hein? Une saloperie au bout. Au bout du hopper. Le son est gros, hein, je suis en 12. Hein. Oula, un gommage dessus. Il y a une table dessus. Elles sont là-bas. Ok. Vu. La mouche est grosse. Je sais encore une fois. Une deux quand même. Oula, je suis sous les arbres. Là, j'ai des chances de la voir. Un gommage dessus. Il y a des petites ailes voyantes blanches. Enfin. Là, ouais. Je prends des risques. Ah, j'ai loupé. J'aurais dû attendre. Si elles sont là-bas sur le bord, c'est bon. Je m'en doutais. Elle a tombé. Hein. Au moment où la mouche se pose. Hein. Je vais changer de mouche. Je vais faire une plus petite. Je vais attendre. Pas des grosses, hein. Oh, un rat des branches. Un gobage, un petit gobage. Je suis plus petit. Allez, je fais une fois. Si j'attaque, hop, plus petit que ça. L'hameçon est trop gros. C'est des petites. C'est de la truitelle. Hein. Ou autre chose. Hein. Bon allez. Je vais regarder dans ma boîte. Et je pense que je vais mettre une marbre. Comme c'est fait là, super. Je sais pas que c'est bien. On est tous sous la main. Hop là, c'est parti.
amont. Pas dans l'arbre. Je l'ai mis. Elle est dans l'eau. Ça fait du bien de se détendre un peu la pêche. J'ai fait ce que maintenant fait, je m'habitue à un nouveau local et chercher cette sacrée rivière. Me foutre dans les branches. Oh, un petit gobage à côté. Carbillé là-bas. Un carbillé là-bas, peut-être. Sécher la mouche. Pile poil là où j'en ai. Bon, quand tu as du poisson. Hein.
petite pause. Vérité. Sans poisson. Ça a gobé un peu là, ce matin, mais... tout à l'heure. On a persévéré, mais bon, c'est surtout pour la découverte de la rivière, parce que je ne connais pas du tout. J'étais dans le Lot, maintenant c'est le Lot et Garonne. Après, je suis à Marmande. Une jolie ville, d'ailleurs, sympa. C'est en même temps pour me rapprocher de mon petit gamin, qui est dans le bassin de l'Arcachon. Ça me fait moins de route pour aller le chercher. Bientôt les vacances de Pâques, on va en profiter. Et là, ben, je vais aussi, la Dordogne n'est pas très loin non plus, 20 km d'ici. Je ferai une session là-bas. Ce sera sympa. Mais j'aime bien ce petit moulin. Ça change. Ouais, je viens de voir un gobage là-bas. Là où je pêche, dans les branches. Au moment où j'arrête, que ça gobe. Ça va revenir. Ça a commencé à bouger. Un peu d'activité, certainement. Je vois pas trop d'insectes, mais il y a certainement des éclosions. On va voir. Tapez là-bas. Bon, je vais essayer avec un cadis comme ça, avec du foam. Petite patte jaune. Poil de chevreuil teinté jaune. Un petit peu de fil d'oreille, là, ça devrait être bon. Il n'y a rien qui marche. Faut bien la boule de la canne. On va aller voir si ça tape là-bas. Ça brille un petit peu, mais ça va. Cool, ça drague. Ça drague, ça coule. Ouais, le courant est fort encore. Saison de pêche en mars, c'est encore compliqué. Hein. À part les rivières vraiment de montagne ou autres, où il y a vraiment de la truite. Et ça, c'est incertitude complète. C'est vraiment pêcher l'eau. Hein. J'ai essayé avec une chenille. Faisant des petits mouvements comme ça pour animer. Pas de touche, rien. Ouais, ça gobait tout à l'heure par là. J'ai même eu deux gobages sur une mouche. Sous les arbres là, c'est là que ça gobait. Ouais, ça coule. Les conditions ne sont pas réunies pour vraiment réussir à pêcher en sèche. En un, j'ai essayé, zéro. Pas mieux faire, je vais sous les arbres. J'y mets de la bonne volonté, hein. Persistance. Oh, ça va peut-être venir, on sait jamais. Hein. Chercher. Une petite pause. Ah, c'est dur, dur. Attends, j'ai vu des gobages. Pas des gros, hein. Oula, j'ai touché l'arbre. Oula, il y a une mouche qui va y rester. Là. On va regarder. Je crois que je la vois accrochée dans l'arbre, avec le bas de ligne. La pointe est restée avec, je sais. 12 centièmes. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Oh,
toute la badine. Ouais, ça micro-boucle. Bon, on refait. Ça tourne. Bon, bah pour aujourd'hui, je crois que ça va être 0-0. J'ai eu quelques... Ah, j'ai attrapé une cochonnerie. J'ai eu quelques gobages. Bon, j'ai fait un nœud là ou quoi, moi. Bon, ça... bon, on a perdu une mouche. On a pêché de l'herbe. J'ai mis une petite mouche noire là. Plume noire. J'ai terminé ma session. C'est plutôt un peu la prospection. Il fallait que je commence le matin, comme j'étais là le matin, mais j'ai tourné en rond. Pas grave, partie remise. Le plaisir était là. Pas de tape, rien. C'est pas le jour. Ça arrive, hein. Ça drague trop. Il faut attendre que le niveau descende un peu aussi, là. Allez. Prochaine session. Je vais tenter quand même cette rivière où j'irai sur la Dordogne pour du spectacle. C'est là qu'il y a le gobage, là-bas. Mais ça fait du bruit derrière. Allez. Avant-dernier lancé. Pas la mouche, hein. J'ai mis une toute petite là, sur le 18. Si on prend le bord. Rien de rien. Allez, dernier lancé. Chapeau. Chapeau de chez Capo, hein. Ah, le plaisir est là. Hein. Plus on lance, plus on se perfectionne aussi. Hein. Il y a un petit vent là qui se lève. Il est temps. Je pense que c'est petit, hein. Allez, la voiture, on emballe. Bon, la prochaine session.